parti, c'est ça, finale winner bracket de ce tournoi de Zix. Il me semble que c'est Milania, alors Joao Milania c'est sûr, qui va probablement jouer contre Kenneth. Milania, avec son Honda, c'est celui qui a probablement le plus de chances d'impressionner tout son monde. Toyops, on a tous les deux été champions du monde de 2X, souviens-toi, à la World Game Cup, t'as un pronostic à faire là-dessus. Je pense que c'est Daigo qui va gagner cette finale. Daigo John. Ouh, Milania a déjà mis stun Kenneth, hein. Je sais pas pourquoi il a fait un bas gros point ici sur la relevée plutôt que d'essayer d'ambiancer un tout petit peu plus son adversaire. Reçoit MPMP et tout termine dans la garde avec un 0 de vital. Et c'est Dictator qui prend le Witcho Nage. Oh non, on va dire en décatilège. Milania, c'est quand même une team composée de, on va dire, d'un mix-up franco-étranger et une team. Eh bien 100% française ici, avec évidemment la team 3 de combo qui va affronter les perdants. Et là il va y avoir évidemment un gros challenge. Ah, un petit point, il y a Ochonage. Est-ce qu'il le refait? Ah, il ne refait pas, il préfère le mixer, le rester dans le coin. C'est incroyable le pressing que met Milania. 1-0 pour la team New Generation. Il y a Milania qui vient de se poser. C'est la finale winner bracket, hein. Il y a marqué grande finale. C'est bien la finale winner. Et c'est Justin Wong. Oh my god, Justin Wong dans un match-up approximativement 10-3 pour Milania. Mais avec des bonnes possibilités offensives hein, pour Honda. Lorsque l'on sait saisir les bonnes opportunités, Justin Wong qui lui fait pas moyen Tiger Shot, Tiger Uppercut. Voilà, c'est un mec qui joue les bases et qui se fait ici coincer avec une bonne gestion de la distance pour les Minmar. Il y a plus quand même Tiger Uppercut là. Il est un tout petit peu trop en avant. Tiger Uppercut double touche et ça va faire le maximum de dégâts. Avec cette double touche encore favorable à Justin. Le Justin qui aimerait dire encore une fois sa venue au Stunfest qu'en France on est tous gratuits. Et faut pas lui laisser dire ça, faut pas lui laisser dire ça. Faut absolument lui faire fermer le dossier. Mais d'où ça touche Tiger Uppercut? Il est où là? Qu'est-ce qu'il touche exactement? Ah, il y a Balayette, il est en train de fermer le match-up. C'est un mec du Japon hein, maintenant, Justin Wong. Et encore une fois, double touche. Et c'est fait, un partout. Mais Justin Wong qui est à présent posé, qui veut jouer, qui a la hargne. Et il faut quand même pointer et enfoncer les portes ouvertes. Il joue un perso dégueulasse. À la limite de la vulgarité totale. Dans la plus pure vulgarité américaine, vous savez. Pick a fucking top tier. Voilà comment ça marche. Allez, la chenille de la team génération. C'est Valcor, je crois. Je ne suis pas sûr. Hein. Je tiens ma langue. Chenille qui a un match-up 9-1 aussi, hein, puisqu'elle ne peut pas sauter, tout simplement. Justin Wong qui est quand même beaucoup à contre-temps sur ses Tiger Shots et qui se laisse quand même venir ouvrir la garde. Non, ça marche pas, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? La mise au sol, elle est bien, une sorte de varette. Qu'est-ce qu'il fait après? Oh, il a complètement mixé Justin, il essaie de le placer la chape. Ah, c'est dommage. Il a un peu trop cru en son chakra. Il s'est un peu trop cru vivant. Et malheureusement, Justin l'a immédiatement remis à sa place. Le let's go Justin. Et cette série de Tiger Shot tellement puissante. Le saut vertical qui est quasiment obligatoire. Comme dit, Sunny a un saut trop haut. Et même si vous anticipez, si vous sautez en avant, là, vous prenez double touche. Si vous sautez trop loin, il y a Sten HK. Si vous sautez encore plus loin, il y a Sten gros point. Quelle est la solution? Ouah, ça y a quand même réussi à mettre 3 hits. Même s'il y en a deux, plus un reset. Parce qu'il y a tendance à pas mal balayer avec de Mammillium Kick. Justin Wong, la super qui est chargée. Mais il a immédiatement arrêté. Faut pas se laisser attaquer. Là, la chope elle est bonne. Alors, on l'a piffé. Il fallait finir par super immédiatement. Mais il reste quand même un espoir. Sachant que la super est chargée pour Chami. Et que ça peut être le meilleur moyen de renverser cette situation. Il n'arrive pas à sortir Kikoken, c'est pas possible, est-ce qu'il attend le bon moment? Il va y arriver ou pas? Il a perdu malheureusement sa charge. Il essaie de jouer le chrono, mais Justin Wong va pas se laisser avoir par ce jeu de chrono. Il est patient, il reste 3 secondes, 2 secondes, Justin qui va même pas aller le chercher. Le meilleur campeur du monde qui reprend ses mauvaises habitudes. Il y a un chrono, Justin, le retourne. Un partout. Et ta gueule Robocop. Et ta gueule Robocop, il est bien dans la garde. Oh là là, qu'est-ce que c'est violent. Qu'est-ce qu'ils aiment. Je ne sais pas comment ils peuvent aimer ça, les Américains. Je ne sais pas, ils ont des goûts. Ils aiment la vie, c'est ça. Ils aiment le sentiment de gagner, le sentiment de pouvoir.
On ne sait pas, hein. On ne sait pas. La guerre, pour faire la guerre, il faut des armes puissantes. Pour faire la guerre, il faut un fagat. Make war, make war. Ah, c'est chaud, vraiment très très chaud. Attention, petit. Oh, il est repoussé dans le tailleur shop. Je demande non, monsieur l'arbitre. Je demande un rematch, monsieur l'arbitre. La guerre est faite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Tiger Shot pleuvent. Ils vont peut-être remplir le Stunfest. Oh là là, mais ils ont que des match-ups de merde, hein. C'est violent. Il n'y a rien, pas un petit Alcim histoire de contrebalancer. Il va falloir un Félon du miracle. Mais les Félons, ça peut être miraculeux, hein. Ça peut vraiment être miraculeux. Ouais, très bon Dragon Reversal pour éviter de se faire gratter par ce Tiger Shot, mais finalement quoi après? Après rien. Finalement qu'est-ce qui se passe? Le saut vertical retombera dans ce Tiger Shot. Et Joss Moon qui a raté un nouveau TS pour ne pas. Voilà Justin Wong! Il a la carte de Marvel versus Capcom, hein. Il nous fait devant, derrière, t'appelles 3 assists, il garde. Il en a rien à mec. C'est les mecs de Marvel ça. Ah, bien joué le décalage de dragon pour casser le reversal, redécalage de dragon, voilà tout en main game. Oh, il a rien à piquer, hein. Il a fait 3 dragons à la relevée, le troisième est passé, hein. On avait dit jamais 203, il est très bien, c'est son moyen pied, c'est dommage de s'être fait choper. Surtout qu'il n'y a pas de déchop ici. Attention à ses récup parce que là il prend de la distance avec son arrière gros pied. Il faut pas rater son moment. Là le dragon est dans la garde et puni par Tiger Shot. Et là il y a peut-être moyen de moyenner, mais la mine hors sol avec un Rikukaku puni par la balayette. Il y a des dragons ici. Mon ami, te laisse pas. Justin Wong des dragons. Il y a ce gros point qui a pas touché. Il est à 2 doigts de Tiger Shot et à 2 doigts de la mort. Justin Wong qui se qualifie pour la grande finale de ce tournoi avec Tiger. Beaucoup de Tiger.